Bonjour à tous, bienvenue sur Je Tu Lis. Aujourd'hui, La Maison de Célia, un album Nathan, à lire pour les plus petits à partir de 3 ou 4 ans. On va découvrir ça tout de suite. Donc La Maison de Célia, c'est un album Nathan, écrit par Javier Martinez et Mariana Ruiz Johnson, pardon, qui est vendu au prix de 11,50 €. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui va déménager mais qui aime beaucoup sa maison et qui va se trouver très très triste. Donc on a, vous allez voir, un univers où la maison est personnifiée et un graphisme très géométrique. Donc une petite fille qui se sent très bien dans sa maison. Tout va bien, elle s'y sent en sécurité, à l'abri, jusqu'au jour où elle va déménager. Donc ça va être difficile pour cette petite fille d'envisager le déménagement. Voilà, elle laisse la maison vide, elle lui dit au revoir et elle part. Et elle arrive dans une autre maison qui est différente. Voilà, ils réinvestissent les lieux progressivement et la petite fille s'habitue à sa nouvelle maison. Jusqu'au jour où elle retourne visiter son ancienne maison et elle découvre la famille qui y habite différemment. Mais différemment, c'est bien aussi. C'est le style d'album qui va permettre de dédramatiser les histoires de déménagement, d'attachement au lieu, au bien matériel. Si vous êtes dans l'optique d'un déménagement, vous avez un enfant entre 3 et 5 ans, c'est un excellent album à envisager de lui lire, puisque ça va lui permettre de mettre en mots un peu ce qui peut se passer dans sa tête en termes de petits stress ou de questionnements divers et variés. La Maison de Célia, donc dans le cadre d'un déménagement, un album qui permet d'appréhender toutes les questions qui peuvent arriver sur ce sujet, idéal pour les enfants à partir de 3-4 ans. Ça se lit très bien, petit album à thème qui tombe très bien. Je ne sais pas ce que me fait la luminosité, elle a l'air de bouger toute seule, désolée. Donc voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire et je vous dis à très très vite sur Je Tu Lis pour d'autres découvertes. Au revoir.